Amen. Ok. Alors, donc, nous poursuivons toujours notre exposé et notre éclairage concernant cette religion de Satan qu'on appelle l'islam. Et déjà, nous sommes sur le thème Mahomet est un faux prophète. Donc, Mahomet, selon certaines contrées, ou Mohamed, selon la Turquie, ou Muhammad, selon d'autres contrées. C'est un faux prophète. C'est un prophète de Satan. Et actuellement, il est mort, il est en enfer avec Caïn, avec Judas Iscariot et avec Ismaël. Actuellement, il est en enfer. Et là, ce n'est pas nous qui le disons. C'est la Bible qui le dit, c'est le Coran qui le dit, et c'est les hadiths qui le disent. Donc, c'est ce qu'on va montrer maintenant. Alors, comment Mahomet est mort? Est-ce qu'un prophète de Dieu, même je dis même pas un prophète de Dieu, est-ce qu'un fils de Dieu, le plus petit chrétien là, plus petit fils de Dieu là, est-ce qu'il peut mourir de la même manière que Mahomet est mort là? Jamais. Impossible. Jamais. Impossible. À plus forte raison, ou même de surcroît, un soi-disant prophète de Dieu, bouche de Dieu, qui va mourir d'une telle mort. Et même sa mort a été déjà annoncée avant de son vivant par Allah. Allah dit si Mahomet était un faux prophète, voilà comment il va mourir. Et c'est comme ça qu'il est mort vraiment. Ça prouve que selon Allah même, Mahomet est un faux. C'est pas moi, je vais dire, il est vrai. Et alors, nous allons vérifier maintenant dans les Écritures pour voir en réalité si ce que nous disons est une accusation lapidaire ou bien c'est vraiment une accusation depuis, pas une accusation, mais si c'est une preuve et une démonstration de ce que nous disons. Amen. Amen. Ok. Alors, on va rentrer dans le Coran qui est le livre auquel il croit. Sourate 69, verset 38 à 45. On va voir ce qui est écrit là-bas. Vas-y, frère. Sourate 69. Oui. Verset 38 à 45. C'est clair. Maintenant, je jure par ce que vous voyez. Je jure par ce que vous voyez. Ainsi que. Parce que vous ne voyez pas. Parce que aussi vous ne voyez pas. Que ceci. Entre parenthèses, le Coran là. Est la parole d'un noble messager. Continue. Et que ce n'est pas la parole d'un poète. Mais vous ne croyez pas. Mais vous ne croyez pas. Que très peu. Mm-hmm. Ni la parole d'un devin. Le Coran n'est pas la parole d'un devin. Mais vous vous rappelez bien que le Coran n'est pas la parole de quelqu'un qui consulte les esprits de mort, qu'on appelle un spirit, qui fait le spiritisme. Lorsque quelqu'un est mort, qu'on s'adresse à lui, c'est le spiritisme, c'est la divination. Ou bien lorsqu'on va faire causer à quelqu'un, et soi-disant délivrance, et lui poser des questions, échanger avec lui, lui poser plusieurs questions pour apprendre la vérité dans la bouche des démons, c'est ça qu'on appelle la divination. Jésus n'a jamais fait ça. Jésus, qu'eux croient, il dit qu'ils croient en lui plus que nous là. Il n'a jamais fait ça. La seule chose qu'on fait pour être démon, Jésus est venu pour nous donner l'exemple. Il n'a même pas bien posé la question au démon pour savoir quel est ton nom. Oui, il connaissait ton nom. Mais c'est un exemple qu'il nous donne pour que nous puissions l'imiter. Alors, pour dire qu'au cours d'une délivrance quelconque, c'est une seule question qui doit être posée. Et quelle est la question? Quel est ton nom? Donc, on demande le nom du démon. Sous la pression de Dieu, il va donner son nom. Pourquoi? Parce que la puissance, toute chose, la force, la vigueur, et même la vie des démons se trouve dans leur nom. Des esprits là, ça se trouve dans leur nom. Voilà, on dit, il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné par lequel on va être sauvé. C'est le seul nom dans le ciel, sur la terre et en dessous de terre, c'est le nom de Jésus-Christ. Et les démons tremblent et fuient à travers, à cause de ce nom-là. C'est clair? Donc, voilà pourquoi il a demandé le nom. Il dit, quel est ton nom? Dès que le démon a dit, Légion est mon nom, parce que nous sommes nombreux, il a dit, bon, sors. Il n'a plus dit poser encore d'autres questions. Mais les gens, ils viennent, soi-disant, la guérison par le Coran, ou bien on peut que le Coran guérit là, ils viennent et puis ils font de leur, de cette masturbation spirituelle-là. En disant, en posant plein de questions aux démons. Tu es déjà depuis quand? On appelle ça djinn. Tu es là depuis quand? Tu as gardé quoi dans sa vie? Qui t'a envoyé? Tu as une association avec qui? C'est ça qu'on appelle la divination. Dieu dit son peuple doit perdre dedans. Vas-y frère. Ni la parole d'un défunt. Mais vous vous rappelez bien plus. Oui.
C'est une révélation du Seigneur de l'univers. Il dit que le Coran est une révélation du Seigneur de l'univers. Et s'il avait forgé quelques paroles. Très bien. Écoute très bien maintenant, cela devient dangereux. Et si Mahomet avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, que nous, Allah et ses groupes, et son groupe n'ont pas dit, et que Mahomet a dit ça de façon audacieuse, avec prétention, nous l'aurions saisi de la main droite. Voilà comment il va mourir. On va le saisir de la main droite. Ensuite, nous lui aurions tranché la haute. On va lui trancher la haute. La haute, c'est quoi? C'est les nerfs du cœur. C'est les nerfs du cœur là qui permettent la transfusion sanguine dans le cœur. C'est ce qu'on appelle la haute. Allah dit avant qu'il ne meure, on va couper ça. Si vraiment c'est un faux prophète, s'il a parlé ce qu'il a dit, des choses qu'on ne lui a pas dites, alors voilà comment il va mourir. Il ne va pas mourir par noyade, il ne va pas mourir par accident, il ne va pas mourir en guerre, mais il va mourir ayant son aorte qui sera déjà tranché, coupé, avant qu'il ne meure. Et avant qu'il ne meure, lui il va dire ça de ta propre bouche, que les nerfs de mon cœur sont coupés. Et puis il va mourir, pour que tout le monde sache que gars, c'est un faux prophète vraiment. Et s'il meurt d'une autre mort, c'est que c'est un vrai prophète. Donc c'est un défi à la donner. Vas-y frère. Continue. On n'a pas encore fini. Ensuite, nous retrancher la haute. On va lui trancher la haute. Et nul d'entre tous les musulmans. Non plus lui, c'est que tous pas. Les musulmans qui seront présents au moment où c'est les nerfs de son cœur vont, on va couper ça là. Tous les musulmans qui seront présents à la scène, qui seront vivants en ce temps. Et nul d'entre vous, aucun d'entre eux là, n'aura plus lui servi de rempart. Ne va le sauver. C'est en vérité un rappel pour les pieux. Très bien. Donc Allah a lancé son défi à tous les musulmans et à Mahomet lui-même y compris, à tous les démons, à tous les djinns. Il a été clair, hein? C'est clair. Ok. Donc si Mahomet est un faux prophète, voilà comment il va mourir. On va lui couper le cœur avant qu'il ne meure. Il ne va pas mourir à la guerre, il ne va pas mourir comme ça bizarrement. Non. On va lui couper le cœur et lui-même va dire ça de sa propre bouche que les nerfs de mon cœur sont coupés avant qu'il ne meure. Et tous ceux qui seront là pour assister là, ils vont le voir souffrir pendant des années, ils ne vont même pas le secourir. C'est clair? Donc on va aller maintenant dans les hadiths authentiques. Les Sahih Muslim et Sahih Bukhari, on va lire pour voir si vraiment c'est comme ça Mahomet est mort. Alors vas-y. Le premier hadith. Sahih Bukhari. Sahih Bukhari, volume 5, livre 64, numéro 4428. Sahih Bukhari. Oui. Volume 5. Oui. Livre 64. Livre 64. Numéro 4428. Numéro 4428. Aïcha raconte. Bon, on va ce qu'on va faire même. Ce qu'on va faire, il faut laisser ça, ça sera le dernier. Parce qu'on va lire trois, pour ne pas trop durer sur un point, on va lire trois hadiths. Je pense que trois déjà, c'est déjà quelque chose. Il faut commencer d'abord par, il faut laisser ça, tu lis les autres qui suivent là. Après, on va ça sera le dernier. Bukhari, ça sera le dernier. Vas-y. Abu Daoud. Volume 15. Oui. Numéro 4513. Parce que ce soit Bukhari, que ce soit Muslim, que ce soit Abu Daoud, que ce soit Al-Tabari, tout cela, ce sont les gens qui sont authentiques et qui sont dignes de confiance dans l'islam. Alors, c'est eux seulement qu'on va prendre. Abu Daoud, vas-y. Abu Daoud. Volume 15. Volume 5. Volume 5. Numéro 4513. Numéro 4513. 13. Vas-y. Rapporté d'Abdou Razak. Oui. Mama. Nous a informé de la part d'Azazouri. Vas-y. Du fils de Kab bin Malik. Du fils de Kab bin Malik. De son père, que Mbashi, oui, a dit ceci au prophète. Il a dit ceci au prophète Mahomet. Pendant ces derniers jours de la maladie. Pendant les derniers jours de la maladie, pendant qu'il était maintenant sous la souffrance, dans la souffrance maintenant là. Oh messager d'Allah. Selon toi là. Qu'est-ce qui pourrait être la cause de ta maladie? Très bien. Qu'est-ce qui peut être la base même? La cause de ta maladie, c'est quoi au juste? Quant à moi, je pense que c'est la maladie de mon fils. Je pense que... C'est la maladie, oui, de mon fils, oui, a été causée. Je pense que la maladie de mon fils, voilà, a été causée. Je pense que la maladie de mon fils a été causée par rien d'autre que ce poison qu'il a mangé avec toi, Mahomet, dans ce mouton là à Kaïba. Donc ça veut dire qu'il y a une femme juive qui a empoisonné Mahomet. Elle a fait mouton rôti et puis elle a mis poison dedans. Et c'est ça, il a mangé avec le fils de celui qui est en train de parler là. Et ils ont mangé, le fils est mort sur le champ. Mais lui n'est pas mort. C'est pas parce qu'il est fort qu'il n'est pas mort. C'est pour arriver à quelque part. S'il meurt un coup là, c'est comme s'il a menti. S'il est mort un coup, c'est comme s'il est un vrai prophète. Or, il faut qu'il dise vraiment que ses nerfs là sont coupés, son âme est coupée avant qu'il ne meure. C'est pour ça que vraiment, c'est un faux prophète. Et quelqu'un qui a menti à toute la nation, qui a traité la Bible de mensonge, et qui a traité les prophètes de Dieu de mensonge, et qui était vraiment sanguinaire, meurtrier, jusqu'à la moelle épinière, il faut vraiment qu'il souffre cruellement et amèrement avant qu'il ne meure.
Il ne va pas mourir un coup comme ça. Vas-y, frère. Quant à moi, je pense que la maladie de mon fils. Je pense que la maladie de mon fils là était causée par rien d'autre que oui. Ce poison qu'il a mangé avec toi. Oui. Dans ce mouton. Voilà. À Kaïba. Le prophète en a dit. Deux points. Moi, prophète Mahomet, de même, je ne pense pas qu'il y ait une autre chose. Je ne pense pas aussi qu'il y ait une autre chose. Qui soit la cause de ma maladie. Qui soit la base, la cause de ma maladie. À part ce poison. En dehors de ce poison-là. Et maintenant, ça a coupé mon aorte. Ça a coupé mon aorte. C'est clair? C'est clair. Par cela, déjà, c'est fini. Débat est clos. Voilà. C'est parce qu'elle a dit dans la Sourate 69, verset 38 à 45, que s'il est un faux prophète, si ce qu'il a dit là, ce n'est pas ta bien, pas de Dieu, on va l'attraper par la main droite, on va le saisir et on va couper les nerfs de son cœur, son âme. Ça a été dit dans le Coran. Hein? On dit que ce qu'on va mourir. Et lui-même, il confesse de sa propre bouche que ça a coupé maintenant mes nerfs. Les nerfs de mon cœur sont déjà coupés. Le poison là, c'est ça que ça a causé. C'est pas ça? C'est ça, c'est tellement clair. Est-ce que ça là, on peut parler encore? Un musulman normal peut encore discuter pour dire que non, Mahomet, comme ça, c'est fini. Un musulman qui est sérieux, il sort de l'islam à partir de cette vidéo, il sort de l'islam. S'il est vraiment sérieux, qu'il est sincère de son. Il est conscient de son âme. Amen. Deuxième encore preuve. On ne va pas s'arrêter à une seule preuve. Deuxième preuve. Oui. Abou Daoud encore continue. Bon, lis ce que tu veux là. Si tu veux lire, Boukari là, tu lis. Abou Daoud. Volume 5. Numéro 4512. Tout à l'heure, on a lu numéro 4513. Maintenant, c'est numéro 4512 maintenant. Donc, c'est l'autre. Continue un peu. Il a envoyé quelqu'un poser une question à cette femme juive. Très bien. Donc, le prophète a envoyé quelqu'un poser une question à la femme juive qu'il a empoisonnée là. Demandant, pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi tu as empoisonné le prophète? Elle dit. Si tu étais un prophète, cela. Si tu étais un prophète. Oui. Cela n'allait pas te causer aucun mal. Si vraiment tu étais un prophète authentique de Dieu là, tu allais manger ça sans le baïe, tu ne savais pas. Tu allais manger ça et rien ne va t'arriver. Et ce qu'elle est en train de dire là, c'est biblique. Hein? C'est ça. Bah, c'est une femme juive. Elle connaît les écritures quand même. Ce qu'elle entend dire, c'est biblique. Elle dit, si tu étais vraiment un prophète de Dieu là, ce que tu as mangé poison là, ça ne va rien faire. Et quel est le verset qui le dit? On va lire le verset là rapidement. Lis-moi le verset, lui qui dit verset 18 rapidement, on va voir ça. Ce que Jésus a dit là-bas. Lui qui dit ça. Oui. Lui qui dit verset 18. Luc 10, on va voir le verset rapidement. Luc 10, verset 19. À partir du verset, oui, vas-y. Luc 10, 19. Oui. Voici. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Et les scorpions. Et même les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et sur quelques puissances de l'ennemi. Sur toute la puissance de l'ennemi. Et ce poison n'est pas dedans. Est-ce que le poison n'est pas dedans? Il est dedans. Est-ce que le babaji n'est pas dedans? Est-ce que le but de Caïman n'est pas dedans? C'est toute la puissance. Est-ce toute la puissance de l'ennemi? Et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne peut vous faire du mal. Amen. C'est pas clair là? C'est clair. Bon. Max 7, 17 encore dit quoi? Vous voyez? Donc, ici, c'est par rapport à ça qu'elle parle. Si vraiment tu étais un prophète authentique de Dieu là, poison là, ça n'a même pas te faire quelque chose. Parce qu'elle a fait ça déjà à d'autres prophètes de Dieu et rien n'est arrivé. Mais toi, on te fait, puis ça te fait mal, ça coupe ton cœur. Ça prouve que tu es un faux. Vas-y, frère. Max 7, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru au Seigneur Jésus-Christ. En mon nom. Il dit en mon nom là. Ils chasseront les démons. Ils vont d'abord chasser les démons. Ils prendront de nouvelles langues. Si quelqu'un est garçon, n'a qu'à chasser des démons, dans l'ordre de Mahomet, il va voir. S'il n'a pas cassé ta mâchoire, c'est qu'il t'a raté. Vas-y frère. Ils saisiront des serpents. Ils vont saisir des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels. Si quoi? S'ils boivent. Oui. Quelques breuvages mortels. Tout à l'heure, il a dit en mon nom, ils vont chasser les démons. Ils vont faire ça. Mais arrivé sur le poison, il dit s'ils. C'est-à-dire que si tu ne sais pas, voilà. Quand tu as empoisonné. Tu as mangé, vas-y, ils ne leur feront point de mal. C'est-à-dire que même ta tête même ne va même pas te faire mal. Amen. Voilà ce que Jésus dit, le poison, on va t'empoisonner. Tu ne sais pas, tu manges, il n'y a rien. Mais si tu sais que tu manges, tu vas mourir. Bah, tu as tenté Dieu. Alléluia. C'est clair, non? Amen. Donc si quelqu'un m'a empoisonné, quelqu'un a vu qu'il dit qu'ils ont empoisonné, je ne mange pas. Pour ne pas tenter mon Dieu. Bah, un fils de Dieu ne peut pas tenter son père. Mais si je ne sais pas que j'ai mangé, rien ne va m'arriver. Même le chrétien qu'on vient de baptiser aujourd'hui là. Il mange poison, bille de caïman, qui s'il ne sait pas, rien ne va lui arriver. Mais lui, il est messager de Dieu, entre griffes, et il mange poison, puis son cœur est coupé. Ça prouve que c'est un prophète de Satan. C'est clair, il n'y a pas puissance dans l'islam. Alléluia. Il n'y a pas pouvoir dans l'islam. C'est ça. Il n'y a pas la vie dans l'islam. Jamais. Il n'y a pas de protection dans l'islam. Jamais. Ça cause eux tout le monde dans leur ceinture de sécurité. Voilà. D'ailleurs, gris, eux-mêmes savent que là-bas, c'est la fausseté. C'est ça.
Donc ils ont leur ceinture de sécurité, ils ont leur bague de protection, bague anti-accident, et puis c'est meurtre par accident. Bague anti-poison, et puis c'est poison qui le tue. Vous parlez que ma mère n'a pas bague de poison. Vous parlez d'un ambassade. Demandez n'importe quel ministre qui passe, attrape-le, dit, sur ta robe de nuit là, quand il va soulever là, c'est gâté ici. Mais il meurt quand même. Ça veut dire qu'il n'y a rien là-bas. Eux, mais ils sont conscients. Moi, je marche là, tout à l'heure où je suis là, rien. Rien. Mais je marche. Bah, je sais que celui qui est en moi, là, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu n'as pas besoin de trembler. Tu n'as pas besoin de ça. Mais faut utiliser, si tu as pris 10 musulmans, que tu as trouvé leur robe de nuit, si tu n'as pas trouvé gris, sur beaucoup de personnes, peut-être c'est un, ou bien même demi. C'est-à-dire qu'il a ici ça, mais il n'a pas ici. Voilà. C'est ça qu'on appelle demi. Non, si ce n'est pas demi, il a ici et il a ici. Partout. Alors, frère, continue maintenant. Donc, voilà ce que la femme est en train de dire. Vas-y maintenant. Abou Daoud, donne-nous les fils de Dieu. Dieu dit que si on nous a imposé qu'on ne sait pas, on mange, rien ne va nous arriver. C'est voilà. Ça. S'ils boivent, donc s'il arrivait qu'ils ont été empoisonnés, s'ils ont mangé, ils ont bu, même le poisson a été empoisonné, tu bois, il n'y a rien. C'est ça. Mais l'autre côté, les prophètes, mais petit poisson, petit seulement, quand elle est coupée. Vas-y, frère. Abou Daoud, volume 5, oui. Numéro 4712. Vas-y. Il a envoyé quelqu'un poser une question à cette femme juive. Oui. Demandant. Oui. Pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi tu as fait cela? Elle dit. Notre caméraman doit nous suivre bien. Il y a combien de minutes? Tout ça pour nous faire signe. Hein? Voilà. Il y a beaucoup de minutes encore. Vas-y, frère. Elle dit. Si tu étais un prophète, si toi, Mahomet, là, si tu étais vraiment un prophète authentique, cela n'allait pas te causer aucun mal. Ce que tu as mangé là, le poison que je t'ai donné, il y avait pas un poison là. Ça ne va même pas te faire petit mal même. Et si tu étais roi? Parce que c'est une femme juive qui parle. Elle sait de quoi elle parle. En fonction des écritures qu'elle parle comme ça. Vas-y frère. Et si tu étais roi? Et si tu étais roi? Le peuple t'aurait débarrassé de ce poison. Le peuple allait te débarrasser de ce poison. De ce poison. Le messager d'Allah a ordonné que l'on la tue. Le messager d'Allah, quand il a dit ça net, on dit bon, tu es là. Et il a dit, durant ces derniers jours de maladie. Et il dit maintenant, durant ces derniers jours maintenant de maladie là. Deux points. Depuis lors. Voilà, ça c'est son dernier, ses dernières paroles maintenant. Voilà. Bah, sa mort est arrivée maintenant. Bah, Dieu l'a laissé d'abord souffrir curieusement d'abord. S'il met un coup, c'est pas bon. Voilà. Alors, dans ces derniers jours maintenant, il va dire quoi? Depuis lors, j'ai continué à ressentir la douleur. J'ai continué à ressentir la douleur. À cause du petit morceau que j'ai mangé à Kaïba. Vous voyez, petit rôti, hein? Là, il n'a même pas mangé beaucoup. Non. Petit poison. Ça pour montrer que même il n'y a pas pouvoir là-bas. Il n'y a pas protection dans l'islam, mes frères. Petit morceau. Il n'y a pas protection dans l'islam. Petit morceau. Il n'y a pas sécurité là-bas. Petit morceau. Salut frère. Salut tous les frères. Vous voyez, c'est ça. Petit morceau là. Que j'ai mangé à Kaïba. Mais maintenant. Cela m'a déjà coupé mon aorte. Mon aorte. Donc mon cœur, les nerfs de mon cœur sont déjà coupés. C'est pas ce qu'Allah a dit. Voilà. Dans le Coran tout à l'heure. Que s'il est un faux prophète, avant qu'il ne meure, son aorte va être tranchée. Et personne parmi de ceux qui sont là, qui seront parmi lui, qui seront autour de lui là, personne ne va même le secourir. Ils vont le regarder. Ils seront impuissants et il va mourir. C'est ça. Accablé. Misérablement et de façon catastrophique avec les douleurs à la pluie. Amen. C'est pas ce qui est arrivé. C'est clair. Bon, qu'est-ce qu'on attend encore? Qu'est-ce qu'il reste encore pour qu'on sache que c'est un faux prophète, frère? Alors on va terminer. On va lire maintenant Boukhari, l'authentique, l'hadith le plus authentique aussi. On lit ça et on va mettre fin à ce point. Vas-y. Sahih Boukhari, volume 5, 8. Abou Daoud. On a lu déjà Abou Daoud, c'est le premier qui devait lire, premier puis il dit faut laisser là. Sahih Boukhari, oui. Volume 5. Oui, il faut regarder aussi un peu. Livre 64. Oui. Numéro 4428. Numéro 4428. Aïcha raconte. Aïcha, voilà. Ça, c'est sa femme. Hein. C'est elle qu'il avait prise à 6 ans et à 9 ans qu'il a couché avec elle. Vous voyez qu'il a déviergé. Il dit Aïcha, viens ici, je vais te donner ton anniversaire, l'anniversaire de ton 9e anniversaire. Tu vois, et il l'a envoyé dans la chambre. Oh, elle jouait toujours au balançoir. T'en passe tout ça là. Pont. Il la prend et puis il l'amène dans la chambre. Vous voyez comment il est cruel, frère. Qui est son exemple parmi les prophètes de Dieu? Question. Hein? Qui est ton exemple? 9 ans. Et puis imaginez maintenant, nous à notre temps là. Une fille de 9 ans, maintenant, on voit maintenant qu'elles sont un peu grandes. Mais imagine à leur temps là. Femme souvent, là, elle a 20 ans qu'on n'a pas fait de garçon. Mais fille de 9 ans, frère. Comment tu as pu? L'esprit de Dieu là, si vraiment tu es l'esprit de Dieu sur toi là, comment tu peux avoir le courage? Comment tu vas me coucher, frère, 9 ans avant là, au 6e siècle, au 7e siècle? C'est bébé! Frère, c'est la cruauté. Voilà, c'est les rites et puis c'est les incantations en fait. C'est les pouvoirs mystiques là, qui sont là. Frère, vas-y.
Saïd Boukhari. Oui. Volume 5. Volume 5. Livre 64. Livre 64. Numéro 4428. Vas-y, frère. Vas-y. Aïcha raconte. Aïcha raconte. Pendant que le prophète était souffrant dans sa maladie, non, c'est sa femme qui était moins auriculaire qui parle, elle a entendu, elle a vu, et puis elle parle, elle ne ment pas. Voilà. Elle ne peut pas mentir, c'est son mari. Vas-y, frère. Pendant que le prophète était souffrant, pendant que le prophète était en train de souffrir, de sa lente maladie, comme Ahmed Dida qui a souffert, qui était paralysé, puis il est mort là. Donc voilà l'autre aussi. Voilà. Pendant qu'il était en train de souffrir, elle a souffert pour, avant qu'il ne meure, c'est leur coutume. Hein, ce n'est pas. Ce n'est pas. Voilà, ils sont habitués à ça. Et tous. Voilà lui qui donne les âmes. Le témoin auriculaire qui donne les âmes. À Ahmed Didat, il va donner encore à d'autres personnes encore. C'est ça. Vas-y, frère. Pendant que le prophète, oui, était souffrant de sa lente maladie, le prophète est en train de souffrir de sa lente, qu'il a finalement tué. Frère, il a souffert d'abord cruellement et après, à la fin, ça l'a tué. Tu vois, c'est cruel, frère. Non. Qui est son exemple dans l'histoire du monde selon les hommes de Dieu? Question. Qui est son exemple? Qui est l'exemple de cet homme-là, mon frère? Question. Il peut être tout sauf prophète de Dieu. Jamais. C'est un magicien. Un vrai marabout même. Frère, vas-y. Pendant que le prophète était souffrant, de sa lente maladie, qu'il a finalement tué. Il avait habitude de dire. Et là, vous voyez, vous voyez ce qui se passe. Quand les musulmans prennent ce point, ils disent non, ils croient que c'est vrai, qu'il est vraiment, il a souffert, puis il est mort. Mais il est mort après 2 ans. Quand il a mangé, ça fait 2 ans, puis il est mort. Et ils ne sont pas un peu sages. Ils sont pas un peu, vous m'excusez beaucoup, mais il faut dire la vérité de Dieu, ils sont pas un peu intelligents. Pour voir, au lieu de voir que Dieu est en train de le punir, le châtier, c'est-à-dire le faire souffrir avant qu'il ne meure, ils ne voyaient pas ça. Il dit non, lui qui a mangé, l'enfant avec qui il a mangé le poison là, il est mort sur le champ. Mais lui n'est pas mort sur le champ, Dieu l'a protégé, mais il n'est pas mort finalement. Il est mort, mal même. Dieu ne l'a pas protégé. Dieu a montré à toute l'humanité que c'est un fou qui est là, c'est un démon. Alors pourquoi le démon? Mais il faut que d'abord il souffre cruellement. C'est clair. Donc c'est pourquoi il a souffert là. Cruellement d'abord. L'enfant n'a rien fait de mauvais. Donc lui il est innocent. Voilà pourquoi lui il est mort un coup. Voilà. Dieu ne veut pas que l'enfant là, il souffre. Voilà. Puisque c'est lui qui est sanguinaire. Voilà. C'est lui qui a couché enfant des gens, bébé, il a couché la femme des gens. C'est ça. Il a couché même avec la femme de Zaïd. Ouais, la femme de Zaïd, c'est-à-dire que son fils adoptif. Il a couché à sa femme. Il est allé le voir un jour à la maison. Il a vu la femme dans des habits un peu truc là. Elle est chez elle à la maison, c'est normal. Quand il a vu, c'est fini. Depuis celui-là, il a pris là, il a tapé, et le lendemain, voilà, verset qui vient dans sa tête. Oh mon, tu peux coucher, quelqu'un peut coucher à la femme de son beau-fils, il n'y a pas de problème. Mmh. Et dans l'islam, si ta femme est partie, si quelqu'un a couché à ta femme, ou bien si ta femme elle t'a trompé, que tu l'as chassée, si elle veut demander pardon pour qu'elle revienne, mais une fois qu'elle est partie là, là-bas où elle est là, il faut d'abord qu'elle couche avec lui qui est là-bas. Il va là aussi la chasser, mais la pierre va venir chez toi. C'est quelle connerie ça? Ça, les hadiths sont là, tout à l'envalide, tout ça là. Ça est là. Mais on est d'abord sur le fait que c'est un prophète de Satan d'abord. Vas-y. Comment il est mort? Termine ça après. Pendant que le prophète était souffrant de sa lente maladie, pendant que tu es en train de le frapper, en train de souffrir cruellement d'abord, qu'il a finalement tué, il a finalement englouti dans l'enfer, il avait l'habitude de dire, Oh Aïcha. Jusqu'à présent, la Aïcha, je ressens la douleur causée par la nourriture. Que j'ai mangé à Kaïba. Et actuellement, et présentement, je ressens comme si mon aorte est en train d'être coupée par ce poison. Mon aorte est en train d'être coupée par ce poison que j'ai mangé. Pourquoi il ne dit pas que mon œil est en train d'être coupé? Mon aorte. Pourquoi il ne dit pas que mon cou est en train d'être coupé? Mon aorte. Pourquoi il ne dit pas que mon cœur est en train d'être coupé? Bien mon ventre est en train d'être coupé. Mon aorte. Et puis il dit mon aorte parce que Allah avait parlé de ça. Qu'on va couper son aorte là avant qu'il ne meure, si c'est un faux prophète. Et c'est ce qui s'est passé. Alléluia. Donc, à la lumière, je pense que des 3 sourates authentiques, et même des versets coraniques encore, frère, et même des versets bibliques qui disent que le fils de Dieu ne peut pas mourir de poisson. Impossible. Ça ne va même pas l'avoir même. Je lui dis, vous ne serez pas atteint. Oh. Il n'a pas dit que ça va te prendre, puis ça va te faire souffrir un peu, puis après il va te guérir. Non, tu ne seras même pas atteint. On t'a empoisonné, tu ne sais pas, tu viens, tu manges, frère, ça sera même vitamine dans ton corps. Tu vas bien grossir même. Mais si tu es au courant de ça, et que tu manges, c'est comme si tu es en train de tenter Dieu, alors Dieu va aussi te laisser. Bah, on ne le tente pas. Et le fils de Dieu en qui il y a le Saint-Esprit, il ne va pas tenter son père quand Amen. Même. Parce qu'on m'a prévenu, donc Dieu a permis que l'autre la voie pour qu'il me dise. C'est Dieu qui a permis qu'on me prévienne, pour ne pas que je mange. Je ne mange pas. Ce n'est pas une faiblesse. Le diable a dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, en haut, la faute qui était là-bas, faut tomber. Ouais. Jésus a plongé. Non. Hein? On ne fait pas ça. Nous, on est sages. Alors, mais si je ne sais pas, je ne suis pas au courant que la boisson a été empoisonnée, ils ont mis le poison dans la boisson, je ne suis pas au courant. But de caïma dans la boisson, je ne sais pas, je vais boire, frère. Rien ne va m'arriver.
même. Tous ceux qui vont boire, moi qui sont des païens, ils vont mourir. Moi, je serai jouer même quelqu'un. Ça va pas me voir. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est en moi, il m'a déjà prévenu. Alléluia. Il ne serait même pas atteint. Amen. Dieu, il dit, ça ne vous fera aucun mal. Il n'a pas dit que ça va vous atteindre, puis je vais vous guérir. Non. Ça ne va même pas m'atteindre. Je dis même le chrétien qu'on vient à peine de baptiser aujourd'hui, là, on a mis bille de caïman dans sa nourriture, il mange, rien ne va arriver. Parce que Dieu tient ses promesses. Le véritable Dieu Jésus-Christ, il est dans sa parole. Amen. Il ne ment pas. Amen. 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 Donc voici un peu de quoi il s'agit pour montrer clairement que Mahomet, prophète de l'islam, ou bien Mohammed, c'est vraiment un prophète, un véritable prophète de Satan. C'est clair, donc un faux prophète de Dieu. C'est ça. Voilà comment il est mort. Selon le Coran, c'est un faux. Selon les hadiths authentiques, les Sahih Bukhari, les Sahih Muslim, c'est un faux. Selon la Bible encore, c'est un faux. Comment Moïse va mourir de poison, frère? Ou bien Abraham va mourir de poison? Ou bien Esaïe et Jérémie vont mourir de poison? Hein? Moïse est allé en Égypte. Il est allé en Égypte. Premier puissant modèle en son temps. Il est allé avec bâton et puis il a gagné. Bâton. Toi, tu vas voir première puissance mondiale et puis tu vas avec bâton. Voilà comment Dieu ridiculise même des gens. Mais la Bible dit que Pharaon avait des astrologues, des grands magiciens. Ils ne s'étaient pas présentés en leur temps. C'est par ces puissances mystiques qu'ils ont gagné. Ils ont conquis, ils ont gagné. C'est ça. Ils ont conquis plutôt le monde, ils ont gagné. Ils se sont imposés. Et Dieu même rentre, Dieu même dit ça. Mais Dieu dit, Moïse, tu n'as même pas allé à un char. Si tu vas à un char, ils vont dire qu'ils sont forts. Va à un petit bâton là. Moi, il dit, ah, mais avec bâton, je vais aller gagner la première puissance mondiale, mon frère. Tu vois, il allait. Voilà comment Dieu ridiculise l'homme pour dire que l'homme n'est rien, même l'homme n'est pas ça. C'est ça. Voilà. Et le prophète de Dieu a eu la victoire là-bas, parmi les grands sorciers, les mystiques de leur temps, les grands astrologues, les grands magiciens, les grands défunts. Bâton, débat est clos. Voilà ça. Mais toi, tu viens d'où? On dit, non, prophète, comme Moïse. Et puis, tu n'as même pas encore arrivé sur le bide de caïman. Petit poisson, déjà, ça t'a tué. Frère. Donc vraiment, on va s'arrêter là pour dire que Mahomet est un faux prophète de Dieu, c'est un prophète de Satan. Et maintenant, le point suivant qu'on va aborder, c'est pour maintenant prouver dans ce point qui va suivre maintenant que Mahomet a tombé en enfer. Et Allah dit dans le Coran que Mahomet présentement il est en enfer. Ça, c'est pas moi qui le dis, mais c'est Allah lui-même, Allah Azawajal, qui dit que Mahomet wa salam, présentement il est en enfer. C'est maintenant la vidéo qui va suivre, qu'on va maintenant démontrer ça selon le Coran, selon les hadiths et selon la Bible. Shalom les frères. Amen. Go high.